à Monaco, du 3 au 5 juin 2016, va se tenir un salon assez spécial, le salon Like Bike. C'est un salon qui se tient pour la deuxième année au Forum Grimaldi et qui va présenter les bicyclettes les plus incroyables, les plus extraordinaires, les plus belles, les plus spéciales, les plus légères, les plus rapides, qu'on peut trouver dans le monde entier. Le prince Albert soutient l'événement. L'année dernière, il avait signé une bicyclette qui a été vendue aux enchères lors de la soirée de gala qui s'est tenue. Et puis, il avait aussi prêté de nombreux vélos de sa collection particulière. Alors, cette année, d'après ce que j'ai compris, il y aura encore un nombre plus important de vélos de la collection particulière de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui seront donc présentés lors de ce salon Light Bike. Alors, Light Bike, c'est tout à fait incroyable. On va y découvrir des vélos comme jamais on aurait pensé que ça pouvait exister, parce qu'il faut savoir que le vélo, pour être mis au point, tous ces vélos, alors VTT, vélos de course, je connais pas, BMX, en fait, ce sont des vélos qui demandent, pour être réalisés, des produits qui sont utilisés aussi dans la high-tech et l'aéronautique, car il faut qu'ils soient à la fois légers et très solides. Alors après, il y a d'autres pièces comme ce vélo-bout, qui est un vélo en bambou avec de l'or 24 carats sur la plupart de ses pièces. Vous avez Lightway et Audi qui présentent quant à eux un vélo extrêmement léger, solide. Alors, il faut vraiment aller sur place parce qu'il y a un nombre incroyable de vélos, de bicyclettes en tout genre, des exposants du monde entier. Ils viennent présenter leurs bicyclettes les plus incroyables, des éditions limitées à des prix assez importants, mais pas seulement. En fait, on va voir aussi au salon Light Bike des vélos qui sont des vélos de compétition avec une recherche sur les matières, sur les styles, sur les formes, des vélos électriques, c'est la nouvelle tendance, le vélo électrique, parce que ça permet à la fois de faire du sport, mais d'avoir une aide lorsqu'on n'est pas forcément un grand sportif et qu'on a envie quand même de prendre soin de sa santé, puisque le vélo, ça fait du bien à la santé. La première raison pour laquelle les gens font du vélo, mais c'est que ça leur fait du bien. Et le fait est que la pratique du vélo génère des hormones qui font qu'on se sent bien. Ce sont des endorphines, et c'est la raison pour laquelle les gens qui font du vélo, en général, sont plus heureux, plus détendus, dorment mieux. Donc, il faut absolument aller au salon Light Bike pour découvrir toutes ces œuvres d'art, ces éléments qui sont à la pointe de la technique et de la technologie. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Monaco, eh bien, le partenaire One Place to Be va faire une retransmission en direct, en live, de tous les moments forts, avec des interviews, des exposants. Alors, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le site de One Place to Be, qui est le partenaire de Light Bike Monaco. Et comme ça, dans le monde entier, et en live et ensuite en différé, on pourra visiter ce salon extraordinaire qui est une vitrine haut de gamme, mais pas seulement, puisque au-delà du haut de gamme et de l'aspect bling-bling et paillettes, il y a aussi toute la recherche technologique qui permet de réaliser des pièces véritablement hors du commun.